Saint-Germain est fier et heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation officielle des tenues des Jeux équestres mondiaux FEI Alltech 2014. Oui, parce que Saint-Germain, ce n'est pas uniquement des pulls marins et des marinières. Saint-Germain, ce sont des collections de prêt-à-porter sportswear chic. Et nous avons, dans le cadre spécifique de ces Jeux, élaborer deux tenues. Une première tenue pour les juges et arbitres de la Fédération équestre internationale, constituée d'un pantalon, de chemise, blazer, parka, bien sûr le foulard et également la cravate officielle. Et également la tenue pour les organisateurs officiels de cet grand événement sportif. Je suis venu aujourd'hui à Saint-James pour participer à cette opération de promotion des Jeux équestres mondiaux de 2014 avec l'entreprise Tricot Saint-James qui en est un partenaire. La contribution des Tricots Saint-James est l'occasion de mettre en avant l'excellence normande, une usine qui mobilise 300 salariés, qui a beaucoup de compétences humaines, qui développe des produits donc célébrés dans le monde entier. Je crois que c'est une belle usine normande. Bien entendu, la région que je préside par ailleurs et les collectivités la soutiennent quand c'est nécessaire. Donc cette visite d'entreprise était pour moi aussi une belle occasion car c'était la première fois que je visitais les Tricots Saint-James. Alors pour les officiels et organisateurs, la tenue est composée de la fameuse marinière Saint-James, adaptée, retravaillée pour l'événement, pantalon, gilet bien sûr en maille. Et une parka si jamais la météo devient capricieuse pendant l'événement. Le lien pour nous est évident. Le cheval est un milieu noble qui correspond bien à l'image de marque de Saint-James. D'autre part, la Normandie, c'est certes la mer, puisque Saint-James est issu de la mer, mais la mer aussi, c'est le lieu de prédilection pour entraîner les chevaux, l'air marin, l'air iodé est important. Pour les chevaux et de la mer à Saint-James, il n'y a qu'une vague.